Je recommence. Voilà. Je m'installe pour faire la carte sketch de la semaine avec Caro et Coco. La semaine dernière, j'ai complètement oublié. Bon, j'avais fait un blabla avant, mais je ne sais pas ce qui est. À chaque fois, ça coupe. Ou alors, bon, je ne dois pas appuyer sur vidéo, je dois appuyer sur autre chose. Je ne sais pas ce que je fabrique. Caro a rappelé sur son poste, elle a mis le modèle de la carte. Donc, si vous voulez la voir, eh bien, vous allez voir. Si vous avez envie de la faire. Et comme ce matin, je vous disais, j'étais à Action, ben j'ai mon bloc qui est là. Je vais prendre une feuille de craft. Une feuille de craft ou une feuille de blanc? Et je vais peut-être prendre une feuille de blanc. Ouais, feuille de blanc. Je vais la couper à 20 sur 15. Alors attendez, je vais me mettre ma chaise, l'autre chaise à côté de moi pour poser mes affaires. Parce que comme j'ai plein de bazar, plein ma table, que je ne veux pas défaire. Non, c'est pas ça. Voilà. Je vais déjà me couper une feuille de 20 sur 15. Ouais, 20 sur 15. Je pense que ça pourrait le faire. Oui, je vais faire ça. Je vais la faire pas doubler, je vais la faire entièrement. 20 ou... Peut-être faire une grande carte. Faire sur 25. Alors attendez, parce que Bigleuse et compagnie, c'est moi. Si je fais 25, ouais, ça serait pas mal une carte comme ça. Je vais pas m'occuper des mesures qui sont écrites déjà parce que je comprends pas ce qui est écrit, je sais pas à quoi ça correspond, donc je vais faire mon idée. 20 sur 15, on va partir sur une feuille, sur une base de 20 sur 15. Voilà. Ce que je vais faire, comme je vois qu'il y a des petits points tout le tour, moi ce que je vais faire, je vais couper avec mon ciseau crampeur tout le tour. Ouais, je vais faire ça. Vous voyez, ça fait la grande carte déjà. Hein. Il faut une grande enveloppe. Voir. Je vais improviser. Ça n'a pas l'air d'être bien bien compliqué, mais je me connais moi. Ah, puis j'ai pas sorti de quoi faire un rond. Bon, c'est pas grave. Alors vous allez sur la chaîne de Caroline Scrap. Vous allez comment? Dans ses posts, dans son, enfin, sa communauté. Des fois c'est marqué communauté, des fois c'est marqué post. Je vous le dis à chaque fois. Et elle a mis le modèle de cette semaine. Et je pense que maintenant, on fera ça toutes les semaines, de mettre la veille. Comme ça, s'il y en a qui veulent la refaire aussi, eh ben, c'est avec plaisir que... Comme ça, on verra plusieurs sortes de papier. Là, j'aurais dû prendre un papier de couleur. Ouais, j'aurais dû prendre un papier de couleur. Bon, attendez. Voilà, bon, ben, j'ai tous mes papiers que j'ai achetés ce matin. Ben, j'ai dit, je ne vais pas m'en servir, mais en fin de compte, je vais m'en servir. Je vais prendre un papier de cette dans cette couleur-là. Il m'en faut un. Ouais, quelle couleur je vais faire ça, moi? 1, 2, 3. Ouais. Oh, il est épais celui-là. Moi, je vais le faire. Bon, on y va. On va faire du rouge. Puisque c'est bientôt Noël. On va faire du rouge. Donc, j'ai coupé 25 sur 15. Là, je vais couper 24. Ouais, je regarde le modèle. Hein. 24 sur 14. Ouais. Non, mais j'ai une table. C'est pas une table, c'est une écurie que j'ai. Une soue à cochon, tiens. Vous connaissez cette expression-là, un soue à cochon? J'ai dit 25, donc là, ça fait 24. J'ai gardé mes lunettes parce que sinon, je ne vais rien voir. Est-ce qu'elle ne ferait pas 24 dans ce sens-là? Ah bah si, fait 24. Alors, pourquoi se casser la tête? Alors, je vais la couper à... J'ai dit 15, ça fait 14. Je vais la couper à 14. Ah oui, c'est des feuilles qui font 24 de large, ça, là.
ça, je vais le garder. J'avais dit que je le garderais pour l'année prochaine, mais si ça se trouve, je vais m'en servir. Hein. Donc là, il n'y a pas de décrochement, mais moi, je vais faire un petit décrochement pareil avec mon ciseau canteur. Ouais, je vais faire pareil. J'ai changé un petit peu la carte, hein, on a le droit. Hein. On n'est pas obligé de faire tout exactement pareil. Ouais, je vais faire des bords crantés, moi. Alors, j'ai sorti aussi, ben, j'ai sorti, non, il était avec. Vous savez, ce matin, j'ai pris un livret paper bloc, là. Le même que Coco elle s'était acheté, forcément. Mais bon, je l'ai vu, j'ai dit, celui-là, il est beau, je le prends. Hop. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Je pars à l'aveuglette là. Celui-là, on le colle avant. Je regarde. Si je le pose comme ça déjà. Oui. Bah oui, vous voyez rien. Je vais vous baisser quand même. Voilà. Vous verrez mieux. Voilà, pour l'instant, ça va me donner ça. Ensuite, il m'en faut un morceau comme ça. Donc, un morceau de... Eh bien, on va continuer dans les couleurs. Hein. Je vais prendre un morceau de vert. Du vert ou du blanc. Je ne sais pas. Ça va jusqu'en haut ou pas, ça? Attendez, parce que je l'ai pas en... Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Bon, j'aurais pu... Alors, je ne sais pas si c'est... Non, mais je peux... Attendez. Si je mets un morceau de vert comme vert ici, comme ça. Et ici, quelle couleur je vais le mettre? Bon, j'ai déjà coupé un morceau... Vert de 15 sur 10. On va prendre un morceau vert. On va faire les couleurs de Noël. Hein. Du vert foncé. Ouais, je prends le vert foncé. De toute façon, c'est des chutes. Je prends rien. Il est épais. C'est pas possible ça. Peut-être celui-là, il est moins épais. Mais... Celui-là. Je vais faire quinze sur 10. Je pars vraiment à l'aveuglette, je sais pas du tout ce que je vais vous faire, mais bon. Pareil, je le coupe. Alors, celui-là, il viendrait là. Partage, hein. Partage. Celui-là, c'est un peu trop large, non? Bon, on va voir. Je vais faire pareil, je vais tout cranter, tout ce que je coupe, tout ce que cranter. J'improvise. On n'est pas obligé de faire exactement comme le modèle. Enfin, si, il faut faire quand même suivre le modèle, mais le mettre à notre sauce. Je trouve que je l'ai peut-être fait un peu large, non? Si je le pose là, comme ça. Après, il y en a un autre qui vient s'emporter là. On va couper un morceau de blanc. Alors, celui-là, je vais le couper à
Ah oui, mais celui-là était beaucoup plus petit. Non, là, il fallait que je recoupe un morceau, là. Il fallait que je remette un morceau, là. Bah oui, avant de mettre celui-là. Il y a celui-là, celui-là. Et après, il y a un autre morceau. Mais quelle couleur je vais mettre, là? Je ne sais pas. Bon, celui-là, je l'ai coupé 25 sur 15. Après, 24 sur 14. Celui-là, je vais le faire 22 sur 12. Laissé le bazar, laissez le bazar. 22 sur 12. Je vais la couper à 12. Oui, mais fait pas 22 ma page. Eh ben non. Oh. Quand je vous dis que je fais que des bêtises, c'est combien celle-là? Bon, bah, c'est pas grave, je vais la couper. Je vais la laisser comme ça. Si je la mets là, celle-là, je vais la mettre là. Pareil, je vais couper aussi en le crantin, en crantant. Ici, il y aura une verte qui va venir ici. Et là, il me refaut ben, un morceau rouge. Ouais. Un morceau rouge. Il doit me rester un morceau là que j'ai gardé. Et celui-là, je vais le couper. On va y arriver. J'ai dit 22 sur 12. Alors celui-là, je vais le faire à 21 sur 11. Bon. Et après, je vais voir pour la déco. Ah, c'est assez compliqué là. Hein, 21. 21. Sur 11, j'ai dit. Et après, je vais me débrouiller avec ça. Et après, il faut que je trouve avec quoi je vais faire mon rond. Bon. Alors, il faut déjà que je coupe ça. On va recouper. Oui, c'est long, hein, mais je fais tout. Là, d'habitude, je prépare avant, mais là, j'ai rien préparé. Elle n'est pas compliquée, la carte, mais il y a beaucoup de découpes, je trouve. Alors, bon, je vais faire quelle couleur? Je vais regarder si j'ai pas un décor. Celui-là, il viendrait là. Il est même encore trop grand. Bon, c'est pas grave, on va le mettre comme ça. Et celui-là, il vient là. Ouais, mais celui-là, il faut que je le fasse beaucoup plus petit. Est-ce que... Non, c'est trop grand ça. Regardez, hop, on va faire à l'aveuglette. Hop.
rouge, blanc, vert. Celui-là, il vient là. Il ne passe pas, celui-là. Ouais, il vient là. Donc, il faut que je le recoupe encore. Je vais rétrécir encore un petit peu. Je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Je vais faire comme ça. C'est pas tout à fait. Il faudrait que je recoupe quand même. J'ai l'impression. C'est beaucoup plus large ici. Il faudrait que ça vienne. Ça, il faudrait que ça vienne ici. Non? Non, non, celle-là, elle vient là. C'est ça. Ça, ça vient là. C'est celui-là qu'il faut qu'il vienne un peu plus bas ici. Ah, mais je vais y arriver. Hein. Celui-là, il faut que je le recoupe. Ouais, il faut que je le recoupe encore un peu. Je vais couper tout ça. Je coupe à l'aveuglette. Hein. J'essaye de... Celui-là, il vient beaucoup plus bas. Alors, j'ai celui-là, 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 comme ça. Ici, c'est ça. Oui. Ici, ah bah celui-là, il est encore trop grand. Bah oui, il est trop grand, donc on va le... Non, mais j'aurais dû prendre les mesures un peu mieux, hein. Vous arrachez pas les cheveux pour voir comment je fais parce que... Oh là là, mais nique la perte que tu as. Ben non, ça va me servir aussi ces morceaux-là. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vais me les mettre de côté jusqu'au jour où je peux en vouloir. Oh, jusqu'au jour où j'en aurai marre, mais bon. Ça, ça vient là. Encore un peu. Hein. Ça, ça vient là, comme ça. Non. Non, mais c'est pas possible. Alors là, j'ai vraiment pas bien pris mes mesures. Hein. Je vous donne pas de mesures. Hein. Vous irez voir le modèle de... De toute façon, je vous le mettrai aussi. Mais... Voilà, ça me plaît déjà mieux. Ça serait plus ça. En plus, il faut que je trouve un rond qui va de là à là. Alors, ma règle, elle est où? Elle est là. Ah, bah tiens. Attendez. Ça, c'est pas... Ça, ça vient là. Et ça, ça vient là. Bah, ça irait, ça, un rond comme ça. Ouais, donc je vais me faire un rond là-dedans. Je vais déjà coller tout ça, puis après on va voir, hein, parce que là je suis en train de... Je fais vraiment n'importe quoi. Oh, Meni, comment tu travailles? Comment qu'elle travaille? C'est fait n'importe quoi. Donc... Carte de Noël, elle va être costaud, hein, la carte de Noël. Enfin, je dis c'est une carte de Noël, si ça se trouve. Si, vu les couleurs, ça sera une carte de Noël. Donc, ça, c'est le premier matage. Ensuite, le deuxième matage, il vient ici. Alors, comme ça et comme ça. Ouais. J'ai plus beaucoup de colle dans celui-là. Heureusement que j'en ai racheté ce matin. Heureusement que j'en ai racheté ce matin. Ah
Alors, je dis, celui-là, il descend ici comme ça. Hop, ça c'est fait. Ensuite, on va poser. Alors, est-ce que c'est pas trop large ça? Un petit peu quand même. Hein. Elle est là pour coupe. Ici. C'est des superpositions, hein, de toute façon. Là, bon, je vais le mettre comme ça. Ensuite, celui-là, il vient ici. Ça tourne toujours parce que j'ai plus beaucoup de batterie. J'espère que ça va pas couper. Alors, celui-là, il vient là, comme ça. Je viens de faire tomber de la colle. Bon, ça. Maintenant, il faut que je trouve un rond. Donc, je vais faire un rond dans quel papier? Celui-là. Qu'est-ce qu'il y a comme papier? Je l'ai même pas regardé parce que je l'ai vu sur Coco, mais qu'est-ce que je fais? Je mets du rayé. Peut-être faire ça. Je vais découper un rond. Quelque plus grand. Ça se tient. Hein? Bon, ils sont tous pareils. Je vous donne pas de mesure. Hein. C'est le foutoir, ma table. Et alors ça viendrait comme ça. Alors, ça déborde un peu sur celui-là. Comme ça. Ok. Ça vient là. Ça monte là et ça redescend là.
Alors, dans quel sens? Comme ça. On va le mettre. Ça va, ça déborde là. Ça déborde là. Comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. C'est la carte. Maintenant, on va chercher des petits trucs pour mettre dessus. J'ai pas l'habitude avec ces trucs-là, moi, mais bon, on va bien trouver quelque chose, hein. Déjà. Comme ça. Je m'en sers jamais, moi, des paper blocks. Ce matin, je l'ai acheté. J'ai dit, je vais l'acheter, on verra bien. Si je mettais un sapin, ça serait bien. C'est l'époque, hein. Fallait pas. Faut de pas, je vais. Ben, l'étoile, je l'ai pété. On m'aurait étonné. Doucette, vous connaissez? C'est moi. J'ai bien pété le sapin aussi. Si je le mets là, ouais. Ça me plaît pas trop, donc je le remets. Les petits bouts d'étoile, je vais le mettre aussi. Je vais le coller après dessus. Et ici, il faut que je trouve quelque chose de neutre quand même. Un Père Noël, je vais trouver un Père Noël. Je pense. Là, il est trop grand. Ça, celui-là, je vais le ranger. Là, il me servira pour ce que je suis en train de faire. Bon, lever l'homme, ça, c'est pas pour moi. Moins que je mette le sapin et puis une couronne. Ouais, j'aurais pas dû mettre le fond comme ça. J'aurais pas dû. Si, il faut que je trouve. Ça ressort pas. Ça ressort pas assez, ça me. Je m'en découpe plusieurs, de toute façon, j'en avoir besoin pour autre chose. Ça ressortirait peut-être mieux. Ou la maison, je vois. De toute façon, je vais m'en servir, j'en ai besoin alors. C'est pas grave si je les détache tous. Ouais, ça me plaît mieux. Moi, celle-là, mignonne, celle-là. Ah, mais je vous ai dit, je vous garde tout le temps que je la fais, là, comme ça. Je vais le mettre là, ça. Comme ça, comme ça. Ça, je ne le mets pas, je le garde. Et je vais mettre quelque chose ici. C'est bien ces trucs-là, mais je sais pas, j'arrive pas, moi je trouve pas d'idée avec ça. Moi. Enfin, c'est pas que je trouve pas d'idée, mais je suis pas.
Qu'est-ce que j'ai bien? Je vais remettre quelque chose là. Il y a la maison. Il n'y a pas un Père Noël. Il n'y a pas un... C'est bizarre ça. C'est bizarre, bizarre. Vous en avez pas marre d'attendre que je trouve ce que je veux? Hein? Je ne vous entends pas. Il était bien le Père Noël là, mais il est trop grand. J'en veux pas. Ou alors, attendez, attendez. Ben, faut que ça fasse le tour dans ma tête, hein. J'ai plus 20 ans, moi. Alors, dis donc, pour les retirer, je vous dis pas. Ça tient bien, hein. Comme je suis patiente pour retirer ça, moi. Monique, elle va tout déchirer, elle va tout déchirer, elle va tout déchirer, hein. Moi, je suis pas du tout patiente, moi, pour ces trucs-là. Si je le mets là, lui, c'est peut-être pas plus mal. Oh non, non, ça me plaît pas. Je préfère ça. Bon, ben, vous savez, je vais m'arrêter là, et puis je vais mettre autre chose. Parce que sinon, avec moi, vous allez attendre longtemps. Hein. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, moi. Donc, je ne vais rien faire en 3D. Hein. Je pourrais mettre tout ça en 3D, mais je ne la mets pas. Je vais faire avec de la colle. Celle-là, elle a rendu l'âme. Ouais, elle est en train de rendre l'âme, ma colle, là. Il n'y a plus rien dedans. Mon petit bout d'étoile, je l'ai toujours. Donc, on va mettre le sapin. Ça, hop, à poubelle. Non, il n'y en a plus non plus dedans. Je crois que cela, il ne coule pas. Alors, comme ça, je vais en chercher une que j'ai achetée parce que. Oh, c'est du n'importe quoi, hein, ma vidéo là. Traîne savate. Je traîne les pieds. Bon, ça c'est. Et là, la petite étoile, là. On va la mettre. Parce que je l'ai cassée. Hop, deux petites chouilles. Voilà. Chiffon. Lui, la petite maison là, elle est mignonne, regardez. Elle est mignonne celle-là. Ça fait combien de temps que. Oh, mais c'est très long ce que je suis en train de faire là. C'est long pour faire une carte. Quand je pense à toutes les cartes que j'ai fait de chat, et puis pour mes amis. J'ai mis moins de temps que ça parce que je les faisais par série. Voilà. Et puis ce que je vais faire. Ça fait tout son charme. Hein. Ben voilà. Le hou, pour ça, c'est super. Ça garnit. C'est pas grand-chose et ça garnit. Je sais pas ce que vous allez en penser de ma carte, mais. Après, je vais vous montrer le modèle. Que vous allez voir sur la communauté de Caro. Sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est pas terrible. Non, c'est pas. Elle est bien, mais j'aurais pu l'agrémenter de doré, de machin, de petits traits, de trucs. Voilà. Tiens, elle est pas mal, non?
Elle est très grande. Elle est très grande. Quelle idée j'ai eue de la faire si grande? Je ne sais pas. Donc, je vais vous montrer maintenant la vidéo, la photo.